bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 13e épisode d'Efrica, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube ainsi qu'Instagram désormais. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, l'affiche de la semaine, Culture Soccer, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Sachez également que notre cinquième magazine est désormais disponible sur notre site internet, un numéro tout particulier puisqu'il célèbre les 10 ans de Lucarne Opposée en vous offrant plus de 150 pages de culture foot, avec notamment deux entretiens exclusifs avec deux 10 qui ont marqué l'histoire de leur nation, Pablo Escobar en Bolivie et Julio César Uribe au Pérou. Mais aussi des portraits de 10 de légende et une rétro des 10 dernières années qui vous fera voyager dans toutes les confédérations de la planète Lucarne Opposée. Sacré goûter d'anniversaire, non ? Du côté des Frikias, nous avons décidé de laisser un peu les clubs de côté et laisser notre chère Ligue des Champions se reposer un peu. Ce coup-ci, on se penchera avec Farouk Abdou et Pierre-Marie Gosselin sur la CAN 2019, faire un point sur les qualifs, mais aussi et surtout éclaircir ce bazar qu'est son organisation. Mais avant cela, vous connaissez la musique, débouchons-nous les écoutilles avec le courrier Quinfré. Vous allez rire, parlons pour commencer un petit peu de la Ligue des Champions d'Afrique. Les tours préliminaires ont d'ores et déjà débuté, offrant comme de coutume leur lot d'éliminations surprises, à commencer par le demi-finaliste de l'édition 2018, l'épatant club angolais de Primeiro de Agosto, qui a trébuché d'entrée face au Congolais de l'AS Oto, dont c'était là la seconde participation à l'épreuve Rennes. Citons également le Soudanais Almeric, habituel cador continental piqué mortellement par le Viper SC Ougandais. C'est la deuxième élimination consécutive à ce stade pour les Diables Rouges d'Omdurman. Enfin, outre le Primeiro de Agosto, d'autres surprises du cru 2018 n'ont pas réussi à renouveler l'exploit. Le Botswanais Township Rollers d'abord, vaincu au pénalty par le modeste Bantu FC du Lesotho, ensuite Mbaban Swallows, d'Eswatini, l'ancien Swaziland, battu très sèchement par le Simba SC de Tanzanie, 8 buts à 1 sur l'ensemble des deux matchs. Toujours difficile de confirmer, une belle année pour un petit. Le prochain tour de qualification nous offre enfin de bien belles affiches, notamment des TP Mazembe, Sesco United et Club Africain Al Hilal, tout bonnement alléchants. Un petit mot de la Coupe de la Confédération tout de même, qui a vu les Marocains du Raja Casablanca être sacrés champions devant les Congolais de l'AS Vita. On n'en dit pas plus, Farouk et Pierre-Marie nous ont fait un récap écrit parfait sur la finale à lire sur notre site. En Algérie, le toujours très bon DZFoot.com nous relate que le président de la Fédération Algérienne de Football, Kireddine Zetchi, a animé ce 5 décembre une réunion de travail avec les représentants de clubs de deux championnats professionnels. Après avoir resserré les boulons en ce qui concerne les problèmes financiers du football algérien, puis recadré les plus gros clubs du pays, coupables selon lui d'oublier les principes de démocratie inhérents à la bonne gestion du football algérien, M. Zetchi a enfin appelé toutes les instances nationales à en finir avec la culture du téléphone. Nous pouvons nous appeler pour les Aïds, mais la gestion des affaires entre les clubs et la fédération et la ligue ne doit pas exister, a-t-il déclaré. Ajoutant que les clubs doivent dorénavant s'adresser aux instances par écrit, et nous sommes dans l'obligation de répondre dans un délai raisonnable. Le président de la Ligue assiste au bureau fédéral, et il vient avec les doléances des clubs, mais cela doit se faire sur la base de documents officiels, et non sur les on-dit. Nous sommes là pour défendre l'intérêt de ces derniers, a-t-il conclu. En championnat, l'USM Alger domine les débats de la tête et des épaules au bout de 15 journées, reléguant son premier dauphin, la jeunesse sportive de Kabylie, à 7 longueurs. Englué à la 9ème place, le MCO renvit toujours, selon DZFoot.com, des heures troubles puisque ses supporters réclament le départ du président Belhadj Ahmed Baba, ainsi que la reprise du club par l'État. Plus à l'est, en Tunisie, le CA Bizertin n'est pas beaucoup mieux loti selon le site kawarji.com. Pourtant auteur de performances sportives tout à fait honorables, les jaunes et noirs ne parviennent pas à se sortir de terribles difficultés financières. En signe de protestation, et après avoir de nouveau ajourné l'assemblée générale élective du club, le comité directeur a appelé à la tenue d'un sit-in le dimanche 9 décembre devant le gouvernorat de Bizerte.
Au classement, les Requins du Nord occupent donc après 10 rencontres une belle seconde place partagée avec le club sportif sfaxien, seulement devancé d'un petit point par l'Espérance Tunis. Rapprochons-nous gentiment vers les sélections, voulez-vous, histoire de faire une transition souple et puis agréable quoi. Car pour les clubs du monde entier, voir un joueur de son écurie fouler les pelouses d'une Coupe du Monde, ça rapporte gros. Le petit Oria guinéen, dont on a beaucoup parlé sur Efrika et Lucarne Opposée, a ainsi empoché la bagatelle de 250 000 dollars suite aux titularisations de son gardien sénégalais Khadim Ndiaye, une somme tout à fait conséquente pour les Rouges de Conakry. Mais à ce petit jeu, les clubs tunisiens et égyptiens s'en sortent encore mieux. 2,7 millions de dollars côté égyptien, en grande partie répartis entre Al Ahly et Zamalek, c'est tout à fait logique, et 2 millions pour les Tunisiens, partagés entre le club sfaxien, l'Étoile du Sahel, l'Espérance et le club africain. Les riches sont donc encore plus riches. Tiens, ça me rappelle un truc récent, ça, un truc avec du jaune. Oh, je sais plus. Bon, bref. Avant de parler de la CAN masculine, n'oublions pas la CAN féminine, remportée le 1er décembre par le Nigeria. Les Super Falcons, visiblement il n'y a pas de femelles chez les aigles, se sont imposés au tir au but face aux Sud-Africaines. Les deux équipes seront à la Coupe du Monde en France l'an prochain, accompagnées par la médaille de bronze, le Cameroun, du grand classique pour ce continent. Les Africaines ont donc clairement su organiser et jouer cette CAN ghanéenne de 2018. Voyons maintenant comment s'en sortent les gars avec la leur prévue pour 2019. Yari. Bonjour Pierre-Marie, bonjour Farouk, puisqu'en effet, cette fois-ci, Efrika se réunit de concert, petite réunion familiale, tout le monde est présent, Farouk Abdou, Pierre-Marie Gosselin, oula, je commence par qui au hasard, comment vas-tu Farouk ? Ça va très bien Simon, bonjour à tous les auditeurs d'Efrika, bonjour à Pierre-Marie évidemment, et à tous les lecteurs de Lucarne Opposée, nous revoilà, et cette fois-ci, on a beaucoup de sujets à traiter. Exactement, aujourd'hui c'est pour ça que j'ai réuni l'équipe, on a réuni l'équipe, parce que voilà, c'est les Coupes d'Afrique des Nations, c'est un sujet voilà, continental. Et comment vas-tu Pierre-Marie ? Comment ça va en Tanzanie ? Écoute, bonjour à toi, bonjour à tous, ça va très bien, figure-toi que je suis en plein dans une session de coaching avec un ancien sélectionneur de la Tanzanie et de l'Arménie notamment, également de Singapour pour faire un peu plus salaud. Et c'est super intéressant, donc écoute, ça va pas mal. C'est parfait, ça va rapidement, quelques nouvelles de la Bisport ? Alors, écoute, pas des nouvelles très très reluisantes. Le championnat de 3e division qui était censé commencer fin septembre, on parle en ce moment d'un départ qui pourrait être effectif à partir du début de l'année prochaine. Donc, autant dire que ça commence à grincer un petit peu au niveau des joueurs là, qui en ont marre de s'entraîner et de voir les départs de championnat repoussés semaine après semaine. Et sinon, pour les petits, écoute, ils continuent de bosser un petit peu. Pour eux, il n'y a pas trop de tournois en ce moment. C'est un peu creux. Ils attendent les vacances de Noël et ils auront un petit tournoi pendant les vacances. Très bien. Pour ceux qui nous rejoignent après tout, hein, vous venez peut-être de débarquer sur Efrika, la Bisport. C'est un petit club, de Béninois, dont notre ami Pierre-Marie a fait partie, a coaché un petit peu les U13, U11. Ouais, c'est ça. Un petit peu un mélange de plusieurs catégories allant de 9 à 13 ans pour... On pourrait dire, ouais. Voilà, donc une petite équipe béninoise dont nous avons un petit peu suivi les jeunes sur Efrika et dont nous prenons des nouvelles très régulièrement. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui va se jouer. Ça, on en est à peu près certain. Mais voilà, on va commencer par ce point-là. On sait qu'elle va se jouer, mais par contre, on ne sait toujours pas vraiment où, puisque le pays hôte à la base devait être le Cameroun. Il y a, semble-t-il, des problèmes d'infrastructure, des problèmes pour accueillir la compétition. Hein. On a vu Patrick Mboma s'épancher, se déclarer indigné par les conditions dans lesquelles tout cela se déroule. Voilà, vraiment honteux pour son propre pays. Et je lis un de tes tweets, Farouk, puisque la Confédération africaine, du coup, essaye de relocaliser la compétition. Je lis ton tweet,
la Sud veut y aller, donc l'Égypte laisse tomber pour pas se mettre en concurrence avec un autre pays arabe, ce sera donc à Sud ou Maroc, puisque le Maroc est aussi en compétition, et c'est là qu'on se demande du coup, à quelques mois de la compétition, quelle est la procédure, qui vote, enfin bref. Farouk, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce micmac. Exactement, on va dire l'étape qui a un petit peu lancé ce micmac après plusieurs rumeurs s'est déroulée il y a quelques jours à Accra pour la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine qui était chargé un petit peu d'examiner où en était l'avancement des travaux côté Cameroun, aussi bien au niveau des stades que sur toutes les infrastructures autour. Et la réunion qui se déroulait avait pour but de statuer sur est-ce que le Cameroun pouvait encore être dans les temps ou non. Et du coup, les principaux constats, en plus des retards, il y a eu une réflexion aussi sur les problèmes sécuritaires en rapport avec la zone anglophone du Cameroun. Et du coup, ce comité en question a décidé de retirer au Cameroun l'organisation de la CAN 2019 et de lancer un process pour trouver un plan B, sachant que il y aura jusqu'à fin décembre pour essayer de statuer là-dessus. Alors le changement de cahier des charges qui s'était décidé il y a maintenant un peu plus d'un an, qui faisait passer la CAN de non seulement de janvier à juin, mais de 16 à 24 participants, était déjà une pilule très dure à avaler pour le Cameroun. En plus, disons que dans une configuration à 16, c'était déjà compliqué de finir à temps. Cette décision qui intervient quand même assez tardivement, à 6 mois du coup d'envoi de la compétition, intervient dans un timing quand même assez difficile à digérer pour les Camerounais qui, logiquement, vont arguer d'une part du changement du cahier des charges et que la manière de faire un petit peu brutale de la CAF, même si la CAF dit que c'est dans ses statuts, rend les choses beaucoup beaucoup plus compliquées. Alors du coup, comment et qui va-t-on choisir pour accueillir l'Égypte, visiblement non, l'Afrique du Sud, le Maroc, quelqu'un d'autre? Et surtout, alors, comment? Qu'est-ce qui va décider? Le Maroc est particulièrement scruté ces derniers mois parce que la rumeur commençait à s'amplifier au fur et à mesure que le Cameroun prenait du retard dans ses travaux et dans la préparation de l'organisation. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Le site CamFoot a sorti un article très intéressant sur le fonctionnement des rouages organisationnels qui ont fait que les retards se sont accumulés. En fait, qui a du coup posé beaucoup de problèmes au Cameroun, que ce soit dans les marchés pour les infrastructures autour, mais aussi pour lancer les travaux des stades à temps. Et du coup, durant tous ces mois-là, où il y avait la rumeur qu'on va retirer la CAN au Cameroun et c'est le Maroc qui va succéder, le Maroc était dans un positionnement où non, on fait confiance à la CAF. On a dépanné pour le championnat d'Afrique des Nations, le Tchad de janvier 2018, mais on se tient prêt en cas de besoin. Sinon, le Cameroun a tout notre soutien pour une compétition dont il a gagné l'organisation. On va pas interférer là-dedans, etc. Et du coup, depuis que la CAN a été retirée au Cameroun, beaucoup, que ce soit l'opinion globale ou beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que du coup, le Maroc, pour plusieurs raisons, l'histoire qui est en train de s'écrire, c'est que d'une part, le Maroc, comme il s'était fait retirer la CAN 2015 parce qu'il voulait la reporter, qu'il avait été, un petit peu en embrouille avec les anciennes instances, c'est-à-dire l'air ayatou de la CAF. Là, ce serait une belle revanche sur cette époque-là. Le fait que, comme la nouvelle présidence de la CAF avait soutenu le Maroc pour la Coupe du Monde 2030, la candidature pour la Coupe du Monde 2026, et que là, redonner la CAN au Maroc pour que ce soit un beau test avec les 6 stades et les infrastructures, ça ferait une pub parfaite pour la candidature 2030, et le fait que le Maroc ait servi de plan B avec succès pour le Tchad fait du Maroc un favori officieux, mais je trouve qu'avec l'histoire est trop belle pour l'instant, et que si c'était vraiment le cas, l'Afrique du Sud n'y serait pas allée. L'Afrique du Sud aussi s'est positionnée, et de par les déclarations de sa ministre des Sports et du président de la Fédé, dit qu'ils sont un plan B parfait aussi parce qu'ils ont les stades de la Coupe du Monde, etc., etc. Je pense que ce n'est pas encore gagné pour le Maroc, même s'il fait office de favori officieux. Je pense que c'est prématuré de dire qu'il est
que c'est bon pour lui, pour l'instant. D'accord. D'accord. Et l'Afrique du Sud, d'ailleurs, c'est un petit peu plus ta zone, Pierre-Marie. Tu as des échos. Tu sais pourquoi, toi, l'Afrique du Sud y est allé comme ça? Il y a vraiment une carte à jouer? Écoute, moi, j'ai pas tout à fait le même son de cloche. J'ai l'impression qu'en ce qui concerne l'Afrique du Sud, ce serait plutôt la CAF, carrément, qui aurait demandé à l'Afrique du Sud de se positionner et de faire acte de candidature pour pouvoir être justement un plan B crédible, parce qu'ils sont effectivement un plan B crédible. Au même titre que le Maroc, hein, tout est pratiquement déjà, enfin en Afrique du Sud, tout est déjà prêt. Peut-être une petite remise à niveau de certains stades qui commencent à peut-être à vieillir un petit peu, parce que la dernière compétition, je crois, c'était la CAN en 2013. Donc ça commence à faire déjà 5 ans. Sinon, j'ai quand même l'impression, moi, les échos que j'ai, ce serait plutôt que le Maroc est quand même largement favori, que l'Afrique du Sud, on lui pousse un peu. On essaie de lui prendre un peu la main. L'Égypte s'est officiellement retirée. J'ai vu aussi que l'Angola pouvait se présenter. Alors, je ne sais pas si, même chose, si c'est plutôt du côté de la CAF, on essaye de faire jouer plusieurs candidatures, ou si c'est du côté de l'Angola une réelle volonté. J'en suis pas sûr. Je viens de voir passer l'autre jour des photos d'un stade qui avait été construit pour la dernière CAN en 2012 et qui est dans un état pratiquement à l'abandon, quoi. Donc, c'est marrant. C'est des tribunes complètement neuves avec une pelouse qui n'est même plus une pelouse, d'ailleurs, qui a un champ. qui est un terrain vague. Ce sont des rumeurs, est-ce qu'il faut être plutôt comme Farouk, un peu pessimiste, enfin un peu prudent, pardon, pour dire que le Maroc n'est pas encore officiellement le prochain hôte de la CAN? Moi j'aurais quand même tendance à croire un petit peu plus ce que je dis de mon côté, avec le Maroc qui est largement favori et les autres qui sont un petit peu là pour faire de la figuration et donner un semblant de compétition. Très bien. Et du coup, parce que c'est, voilà, on le sait, donc il y a déjà des embrouilles, c'est déjà un peu compliqué pour savoir qui est candidat, avoir un message clair. Et est-ce qu'on a par contre une date arrêtée, une deadline, comme on dit, une ligne morte pour savoir qui sera choisi? Alors, je veux pas dire de bêtises, je vais quand même demander la confirmation de Farouk, mais il me semble que c'est 2 mois ou 3 mois de procédure pour pouvoir préparer les dossiers de candidature et les présenter. Et juste pour rajouter un petit peu au micmac, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore du tout parlé, là où c'est encore plus problématique pour la CAF, elle est en train de se lancer dans un jeu un petit peu dangereux, c'est que apparemment ils auraient annoncé du côté de Accra que la CAN 2019 ne serait plus au Cameroun, donc probablement au Maroc ou à l'Afrique du Sud. Par contre, la CAN 2021 qui était prévue pour être en Côte d'Ivoire serait donnée à son tour au Cameroun. Et la Côte d'Ivoire aurait, elle, la CAN de 2023 et la Guinée qui était prévue en 2023-2025. Donc, grosso modo, on décale tout de 2 ans, on trouve un pays de secours et puis on décale. Mais les Ivoiriens, ils sont pas du tout d'accord. Ils ont répondu à un appel d'offres pour une CAN en 2021, donc ils voient pas pourquoi on change les règles du jeu. Le Cameroun a accepté qu'on change les règles du jeu, qu'on passe de 16 à 24. Voilà, peut-être que d'autres pays n'auraient pas accepté ça. En tout cas, voilà, ça... À mon avis, ce n'est que le début de l'histoire de la saga des prochains hôtes de la CAN, et en commençant par celle de 2019. Farouk, tu nous confirmes ce long process, parce qu'on rappelle que cette fois-ci, la CAN passe donc à 24, tu l'as dit, et qu'elle ne se jouera pas en janvier, elle se jouera en juin, c'est bien ça. Effectivement, pour étayer 2 points qu'a évoqué Pierre-Marie, le premier sur le fait que, entre guillemets, peut-être que l'Afrique du Sud est un peu prise par la main pour qu'il y ait une espèce de process, cette concurrence, c'est une rumeur qui... C'est un point de vue que beaucoup de gens semblent avoir aussi, que du coup c'est la CAF qui voulait, enfin de base qui avait estimé que ce serait le Maroc, mais qui veut quand même essayer de faire une espèce de process de remplacement pour le plan B. Ça c'est une thèse que j'ai entendue de mon côté aussi, même l'a entendue un peu partout. Enfin de mon côté aussi j'en ai entendu parler. Je reste quand même prudent parce que j'ai du mal à croire que l'Afrique du Sud, surtout même si il a organisé des compètes récemment, prendrait ce rôle de faire valoir pour une sorte de choix un peu choisi à l'avance. Et l'autre point que PM a évoqué, c'est aussi le fait que les Ivoiriens ont pas l'air de trop apprécier ce bricolage qui est en train d'être proposé, tout décalé de 2 ans. De ce que j'ai vu passer aussi, ouais, ils ont pas l'air ils ont tout préparé, ou ils sont en train de préparer pour 2021. Ça, tout décalé de 2 ans, ça a pas l'air d'être dans leur plan. Donc je pense que les imbroglios ne font que commencer. Oui, affaire à suivre donc. Mais pour jouer cette Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, il faut des équipes.
Et pour avoir des équipes, ces 24 équipes, il faut des qualifications. On va se pencher un petit peu dessus. Et moi, il y a un premier point, du coup, en relation avec tout cet imbroglio, comme tu le dis, un point que j'aimerais éclaircir, c'est que le Cameroun, en tant que pays hôte, est qualifié d'office. La compétition ne se jouant pas au Cameroun, le Cameroun reste-t-il qualifié d'office? Et le futur, alors bon, c'est bon pour le Maroc qui est assuré d'être qualifié, mais au cas où ce serait l'Afrique du Sud, qui est encore en ballotage, favorable, mais en ballotage, et qui est-ce qui se retrouverait du coup qualifié? Non, bah, alors du coup, oui, effectivement, le Cameroun a joué quand même la phase de qualification comme si de rien n'était, comme s'il n'était pas qualifié d'office en fait. Donc ils étaient dans le même groupe que le Maroc, le Malawi, tant que je ne dise pas de bêtises, les Comores et le Malawi effectivement. Donc le Cameroun est en phase de se qualifier en deuxième position derrière le Maroc. Le Maroc a 10 points, le Cameroun en a 8. Les Comores en ont 5. Le dernier match, c'est un Cameroun-Comores au Cameroun. Donc on peut penser que dans tous les cas le Cameroun devrait être qualifié à la prochaine CAN, donc ça ne devrait pas avoir d'incidence. Le Maroc qui était également qualifié, ben peut-être que ça va ouvrir une place pour un meilleur troisième là. De toute façon, tant qu'on ne connaît pas le pays organisateur, on ne peut pas savoir en fonction de s'il est déjà qualifié ou pas lors de la qualif. Donc c'est pas encore réglé, mais le Cameroun devrait quand même s'en sortir. Et voilà, peut-être que c'est un signe que ce soit le Maroc. Et si c'est le Maroc qui accueille la CAN, il y a de fortes chances que les Comores soient repêchés. Intéressant, oui. Du coup, on va vous donner un petit peu ces qualifiés, hein, puisqu'on en connaît d'ores et déjà 13 sur 24 qui sont assurés de qualifier. Donc, a priori, le Cameroun qualifié d'office, mais comme tu le dis, s'il y a un reclassement, etc., nanana, et puis les Comores seraient repêchés. La Tunisie, coucou Farouk, mais bon, vous êtes des habitués, l'Égypte, sans déconner, le Sénégal, le Maroc, le Mali, l'Ouganda, le Nigeria, l'Algérie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et j'en ai gardé deux pour la fin, qui sont des novices, c'est la première fois qu'on les verra à ce stade de la compétition. Il s'agit de Madagascar, où l'on a vu débarquer en tant qu'international Jérémy Morel, et la Mauritanie. Pour les out, hein, voilà, il y a des équipes d'ores et déjà, des gros en tout cas, d'ores et déjà éliminées. Il s'agit de la Zambie, pardon, et du Cabo Vert, hein, le Cap Vert. Et il y a encore d'autres équipes en danger, le Burkina, le Togo, le Congo. Tout n'est pas encore joué, il reste une journée. Qu'est-ce qu'on peut sortir de ces qualifications? Écoute, déjà, on peut sortir les deux qualifications pour les deux premiers les deux équipes qui feront leur début dans la CAN en 2019, donc on ne sait toujours pas où. Ce sera la Mauritanie et Madagascar. La Mauritanie, c'est une équipe qui progresse très bien ces dernières années. Ils sont dirigés par Corentin Martins. Il me semble qu'on en avait déjà parlé lors d'un Afrikia il y a quelques temps, parce que je me souviens avoir mentionné déjà son nom. Donc, il continue de faire son bon boulot. Et c'était dans un groupe avec le Sénégal. Ils sont qualifiés, ils sont en deuxième position. Autant pour moi, je dis une bêtise. Ça, c'est les Madagascar qui étaient avec le Sénégal, mais bon, ils sont voilà, c'est une qualification logique qui reflète bien les progrès qu'ont fait la Mauritanie. Et dans le même groupe, ils sont avec l'Angola et le Burkina qui vont normalement la place devrait être pour l'Angola, puisque le Burkina s'est un petit peu foiré et l'Angola a son dernier match contre le Botswana, dernier de poule. Donc voilà, la Mauritanie quand même, coup de chapeau à eux, c'était pas évident, surtout avec la forme des Angolais en ce moment. Et donc, le deuxième novice, c'est Madagascar. Alors, les Baréas qui sortent de nulle part, vraiment imprédictible cette qualification, parce que pour le coup, si du côté de la Mauritanie, l'évolution est claire ça monte crescendo au fur et à mesure. Elle est du côté de Madagascar, ils sont sortis d'un coup comme ça, une éruption volcanique. Ils étaient dans un groupe quand même un petit peu abordable avec donc le Sénégal, le Soudan et la Guinée équatoriale. Voilà, finalement, ils s'en sont sortis. Le Soudan, c'est un petit peu manqué. Donc, ça les a bien aidés. Et ça va être leur première CAN. On risque d'en entendre parler, notamment parce que, voilà, il y a, par exemple, des joueurs comme Morel, qui au moment où les Baréas célébraient leur qualification, s'est déclaré apte pour jouer avec eux. Et donc, il fera partie du groupe. Donc, ça risque d'être parmi les attractions. Sinon, voilà, on peut dire quand même que les trois Nord-Africains sont qualifiés. J'allais poser la question à Farouk, justement, puisque c'est sa zone. Mon cher Farouk,
on va dire, à rien de nouveau au nord, pour pas dire à l'ouest, mais gros strike du côté des Nord-Africains, Égypte qualifiée, Tunisie qualifiée, Maroc qualifié, et même la Mauritanie de qualifier. Alors en effet, il manque la Libye, c'est le seul absent, mais la Libye n'a pas été présente depuis un moment. Rien de nouveau au nord. Eh bien, justement, et là, ça rejoint ce que j'avais évoqué. Si ça se trouve, le meilleur et peut-être seule chance de l'Afrique du Sud de participer à la CAN, c'est de l'organiser. Car si l'Afrique du Sud perd en Libye, c'est la Libye qui se qualifie en deuxième position derrière le Nigeria à la place de l'Afrique du Sud. Donc, si cette issue peut quand même apporter beaucoup de piment à ce process d'attribution de la CAN, si jamais l'Afrique du Sud, finalement, c'était juste pour faire de la figuration, se porter candidat à l'organisation et qui perd en Libye en mars et que c'est la Libye qui va à la place, là, ça va, je pense, faire beaucoup de bruit. Mais en ce qui concerne la Mauritanie, et c'est valable un petit peu aussi pour un degré moindre pour Madagascar, moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Bon, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, quand j'avais commencé à en parler, qui étaient peut-être pas d'accord. C'est que, à mon avis, pour des équipes comme ça, le changement de format, le passage de 16 à 24, leur a apporté des perspectives, en particulier dans la manière d'aborder mentalement les matchs, qui a complètement changé les choses. À mon avis, des équipes comme ça qui font des coups, mais qui tiennent pas sur la durée dans un groupe de 4 quand ils savent que c'est que le premier qui passe, n'abordent pas du tout les choses de la même manière quand ils savent que le deuxième a sa qualif aussi. Et à mon avis, sur le fait de tenir mentalement et de se mettre en mode on va jouer 6 matchs et si on est deuxième, on passe, fait que la compétitivité de ces équipes-là est montée. Et même si, dans le cas de la Mauritanie, elle a fini première, de mon avis, si c'était une configuration à l'ancienne où c'en est 4 et que le premier qui passe, je pense que ça ne se serait peut-être pas nécessairement déroulé de la même manière, et que à mon avis, c'est le fait que il y a cette configuration-là de CAN à 24 qui les a boostés mentalement au départ. Après, je voudrais bien avoir l'avis de PM là-dessus, mais ouais, quand l'espoir se fait source, ça te booste mentalement de motivation. Exactement. Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de parler de ces deux habitués qui ne seront pas au rendez-vous, c'est chose faite. Bon, le Cap-Vert, qu'on avait pris l'habitude de voir en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais dans une plus grande mesure, la Zambie, qui il y a encore 6 ans était championne d'Afrique avec Hervé Renard Chenapan. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Cap-Vert et la Zambie? Eh bien, le Cap-Vert, ça se dessine quand même une certaine, on va dire, une certaine régression par rapport au PAN 2013-2015 où ils avaient très très bien fonctionné. Je pense que beaucoup de supporters du foot tunisien se rappellent de la victoire du Cap-Vert à Rhodes en 2013 qui avait mis la Tunisie extrêmement en difficulté par la qualification à la Coupe du Monde 2014 et ce fameux imbroglio avec le joueur du Cap-Vert suspendu qui avait permis à la Tunisie de passer sur tapis vert. L'embellie du Cap-Vert s'était prolongée jusqu'à la CAN 2015 où là aussi ils avaient quand même fait des bons matchs de poule, mais on va dire que là ce résultat dessine quand même une certaine régression de la part du Cap-Vert qui n'est plus aussi fringant que sur ces années-là. Après, pour la Zambie, c'est vrai que la déception est quand même majeure parce qu'on les attendait quand même, en particulier dans un groupe un peu plus abordable, on les attendait quand même beaucoup plus haut. Le groupe, oui, de la Zambie était composé de la Guinée-Bissau, de la Namibie et du Mozambique, trois équipes que l'on n'est pas habitué à voir en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et que l'on verra au moins l'une, deux d'entre ces trois-là. Pierre-Marie, tu as le même avis sur la Zambie et le Cap-Vert? Le Cap-Vert, comme tu dis, un peu en régression, à l'image d'un Ryan Mendes un peu disparu des radars. Écoute, ouais, après quand même, c'est pas encore complètement mort pour le Cap-Vert, hein, parce qu'ils sont avec la Tanzanie et le Lesotho. La Tanzanie et le Lesotho ont 5 points, le Cap-Vert en a 4, et ils reçoivent le Lesotho lors du dernier match, oui, je dis pas de bêtises, et la Tanzanie reçoit l'Ouganda. Donc voilà, c'est pas encore complètement joué, mais c'est vrai qu'ils sont en ballotage sacrément défavorable. Pour le coup, j'ai eu l'occasion de les voir jouer là dernièrement du côté de Dar es Salaam. J'avais pu les voir aussi dans le match aller qu'ils avaient joué du côté de à domicile. Ah, j'ai le
nom de la Praia, je crois, la capitale du Cap-Vert, mais j'en suis pas très Tout sûr. à fait. Enfin bref, du coup, c'est quand même pas mal le Cap-Vert. Après, voilà, ils se sont un petit peu foirés, ils ont raté l'Ouganda à super bien commencer et ça les a un petit peu pénalisés. Mais c'est vrai que ils sont pas, il n'y a pas un Ryan Mendes, il n'y a pas une superstar là qui est en train d'élever un petit peu leurs joueurs, mais leur niveau de jeu, pardon, mais ils ont quand même des joueurs assez intéressants. Après, c'est sûr que voilà, c'était un petit peu la surprise ces dernières années. Ils sont arrivés un petit peu de nulle part. Et puis là, maintenant, ben, les équipes les attendent. Donc, c'est un statut différent. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour eux. Et puis voilà, il leur manque une star, clairement. Après, du côté de la Zambie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, ils étaient en ballottage plutôt favorable avant les deux matchs des deux dernières journées, où vous avez une double confrontation, pardon, contre la Guinée-Bissau. Pardon, c'était au mois d'octobre, parce qu'il y a une autre journée qui s'est jouée depuis. Et ils gagnent le match chez eux assez facilement en jouant très bien. Plein d'occasions, ils se mettent un petit peu en danger sur la fin parce qu'ils n'arrivent pas à faire le break. Mais par contre, au match retour, ils s'effondrent complètement en Guinée. Ils passent complètement à côté de leur match et à partir de là, ça commence un peu à s'effondrer. Ils sont avec un jeune entraîneur qui était, alors j'ai son nom qui m'échappe, c'est un Britannique qui est super jeune, qui était adjoint précédemment du coach précédent et qui a pris la suite. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi un petit manque d'expérience au niveau du sélectionneur qui a pas su remobiliser ses troupes après cette défaite un petit peu surprenante en Guinée-Bissau qui avait tout relancé et à la dernière journée ils ont pas su se relever contre la Namibie je crois donc ils sont passés complètement à côté et juste pour revenir quand même sur ce que disait Farouk tout à l'heure par rapport au fait que on soit passé à 24 et que tous les deuxièmes sont qualifiés effectivement ça a joué un rôle important puisque dans un interview je crois accordé à Franck Simon sur France Football l'entraîneur de la Mauritanie a clairement dit que dès qu'ils ont su que le deuxième allait être qualifié ben ça a redonné voilà ça a donné ce petit coup boost nécessaire à tout le monde et cette motivation qui leur a permis d'aller chercher la deuxième place. Donc oui, je pense que ça a joué. Ce qu'il faut rappeler, le premier match, ils l'ont joué, on se qualifie seulement le premier et les quatre meilleurs deuxièmes. Et puis au final, ben non, c'est tous les deuxièmes qui sont qualifiés. Donc ça change quand même énormément de choses. Ouais. En effet. Allez, pour terminer, jetons un coup d'œil à ces trois équipes. J'avais envie de parler de ces trois équipes que l'on a l'habitude de voir aussi en phase de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique des Nations, et qui, bon, tout n'est pas terminé pour elles, mais elles sont un petit peu en danger, c'est un peu compliqué. J'avais envie de parler du Gabon, de notre cher Pierre-Emerick Aubameyang, qui se retrouve 2 points derrière le Burundi, hein, qui était pourtant dans un groupe relativement facile avec le Mali, le Burundi et le Soudan du Sud, ainsi que les deux Congos, la République démocratique du Congo et le Congo, Brazza, qui se retrouvent, tout n'est pas terminé non plus, hein, mais qui se retrouvent hors champ, hors place qualificative derrière le Zimbabwe et le Liberia, deux équipes. Idem, hein, les Liberia depuis George Weah qu'on ne voit plus trop, qu'on n'a jamais trop vu, deux équipes que l'on pensait favorites de leur groupe. Qu'est-ce qui s'est passé pour les deux Congos? Ben écoute pour les deux Congos ben c'était un petit peu la c'était un peu la c'était le gros derby hein, de la dernière journée ça s'est fini un partout c'était du côté de Brazzaville hein, donc sachant que les deux capitales Brazzaville et Kinshasa ne sont séparées que par un fleuve hein. Si vous êtes à Kinshasa vous voyez Brazzaville de Brazzaville vous voyez Kinshasa donc en termes de derby dans le football international je suis pas sûr qu'on puisse en voir des aussi rapprochés. Les stades à vol d'oiseau ne sont qu'à quelques kilomètres l'un de l'autre. Donc voilà, c'est un gros derby. Après, ils se sont un petit peu neutralisés, quoi. C'est un petit peu dommage, mais au final, ils sont mal rentrés dans leur compétition, les deux Congos. Et puis là, sur le dernier, le match nul, finalement, ça fout les deux équipes un petit peu dans le caca et le Liberia et le Zimbabwe se retrouvent en ballottage favorable. Donc c'est du côté du Congo, ils ont beaucoup changé d'entraîneur ces derniers temps. On pouvait s'y attendre. C'est pas la grosse joie, même s'ils ont participé à la dernière CAN, c'est pas top top du côté du Congo Brazzaville. La RDC, par contre, clairement, s'ils sont pas à la CAN, ce serait une grosse grosse surprise. Après, voilà, le Liberia avec George Weah qui est maintenant le président. Peut-être que les ambitions sportives du pays ont changé. Peut-être que
Ben, peut-être que les primes de match ont changé. Peut-être que le fait que Georgeois soit le président, tout simplement, ça booste un petit peu cette équipe du Liberia. Après, ça va être compliqué pour eux quand même parce que voilà, la République démocratique, dans le prochain match, la RDC va les accueillir chez eux. Donc, ben, voilà, en cas de victoire de la RDC, ça devrait leur permettre de pouvoir passer. Voilà, ça devrait le faire quand même, mais ça a été chaud et je pense que le fait que les deux équipes se soient un petit peu neutralisées entre elles n'a pas facilité les choses. Peut-être un petit peu trop d'émotion dans ces deux derniers derbies. Très bien. Et pour le Gabon? Alors pour le Gabon, là, ben, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en entendre parler. C'est lors de pas du dernier du rassemblement, c'était le rassemblement d'avant. Il y avait une grosse histoire avec Aubameyang encore. Il faut savoir qu'il est. Ben, il est au milieu de toutes les histoires de cette sélection des Panthères du Gabon. Ils n'ont pas voulu prendre l'avion pour se rendre au Soudan du Sud parce que la fédération avait affrété un avion militaire et que ben, pour Aubameyang et ses coéquipiers, ça ne correspondait pas au standing des footballeurs qui ne pouvaient pas voyager dans ces conditions-là. Alors voilà, ça c'est la version de la fédération. La version d'Aubameyang, c'est que c'était un avion de ligne qui n'était pas aux normes, enfin tout simplement qui voulait pas mettre leur vie en danger. Donc c'est un peu la pagaille. Chaque rassemblement c'est compliqué, chaque liste c'est compliqué. Est-ce que y a de forts jeux de pouvoir, notamment entre le clan du coup Aubameyang avec son père et puis avec les gens de la fédération. Donc c'est très compliqué pour le Gabon. Je pense que ils ont laissé passer leur chance dans la CAN qu'ils accueillaient chez eux où Aubameyang était au sommet de son art. Là, ça devient très compliqué pour eux. Sincèrement, je leur souhaite même de ne pas se qualifier pour pouvoir mettre bien les choses à plat et repartir sur de bonnes bases. Le dernier match va se jouer du côté de Bujumbura au Burundi, donc c'est un petit peu la finale du groupe. Le gagnant, enfin, le Burundi peut s'en sortir avec un nul, mais le Gabon peut s'en sortir en gagnant, enfin, peut se qualifier en gagnant là-bas, mais c'est vraiment loin d'être fait et j'ai même envie pour eux que ça ne se fasse pas pour qu'ils puissent bon, essayer de repartir à zéro. Très bien, et on s'achemine vers la fin. Tu voulais faire rapidement un petit erratum PM, hein. Les Comores ne peuvent pas être repêchés. Donc voilà, donc, par rapport à ce que tu as dit au début. Un dernier mot sur ces qualifications et cette CAN, Farouk? Eh bien, l'incertitude de l'organisation fait qu'il est difficile de se projeter. Et puis, comme il faut différencier les équipes avec beaucoup de certitude des équipes en phase de reconstruction ou de celles qui repartent de zéro à quelques mois du coup d'envoi, ça va être extrêmement ouvert. Peu importe où est-ce que ça va se jouer, et je pense que ça va être intéressant à suivre. Très bien, et pour toi PM, on se quitte avec toi, tu as le dernier mot. Enfin, j'aurai le dernier mot, mais tu as l'avant-dernier. Eh ben, écoute, si je peux avoir un dernier mot quand même, on n'en a pas trop parlé. C'est le Bénin, mon cher Bénin, qui était à deux doigts de pouvoir se qualifier. Ils ont réussi un exploit en battant l'Algérie chez eux, en se mettant dans une position incroyable à pouvoir se qualifier à deux journées de la fin. Ils mènent 1-0 à la mi-temps contre la Gambie en Gambie. Finalement, ils s'écroulent en 10 minutes. Ils perdent 3-1. Ils se retrouvent avec une finale à jouer à Cotonou contre le Togo. Donc le Togo, hein, c'est Lomé, c'est à 1h30 de Cotonou. Hein. C'est vraiment là aussi en termes de derby, on est quand même très très proche. Et ben voilà, ça, tout va se jouer sur un match. Alors si à qualification, je le souhaite pour les écureuils, ce serait une fête incroyable. Mais alors qu'est-ce qu'ils auront tremblé? Ils se sont rendus l'histoire tellement compliquée alors que tout était tellement bien parti. Mais bon voilà, c'est ça, c'est l'histoire des écureuils et du Bénin. Tout est toujours compliqué avec eux. Très bien, et ben écoute, on souhaite le meilleur aux écureuils de Michel Dussuyer. Merci Farouk, merci Pierre-Marie. On se dit à la prochaine pour un nouvel Efrika. J'ai du mal à le dire. Pour un nouvel Efrika. Merci les gars. Merci, à bientôt. Ciao à tous. L'information est tombée quelques heures après notre enregistrement. Les candidats à l'organisation auront jusqu'au 14 décembre pour déposer leur dossier. Ajoutons que les Comores ont bel et bien réclamé leur qualification en vertu de l'article 92 du tournoi. Et comme le disait Pierre-Marie en off, quoi qu'on en dise, on n'est pas au bout de nos surprises. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 13e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efrika. Salut les amis!